c'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme. La journée de la femme. C'est la journée de la femme. 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 8 mars à l'africaine. C'est la journée de la femme. La journée de la femme, je crois. La journée de la femme. La journée de la femme. La journée de la femme. Yo. Sincèrement, je sais pas. Non, ça me rappelle rien, 8 mars. D'accord. Alors, c'est la journée de la femme. Ah. La journée de la femme. Et c'est quelque chose de très important. Non, non, pas du tout. D'accord, alors le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oui, oui, vous voyez. Moi, j'influence pas mal, plutôt, oui. On va dire. D'accord, alors après vous... Ma mère. Mm-hmm. Ma mère, parce qu'elle m'a mis au monde, elle m'a donné une bonne éducation. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Il y a Edith Cresson. Oui. C'est une femme que j'admire, Rachida Dati. Mm-hmm. Et une autre, mais ce n'est pas une Française, c'est la Dame de Fer. Ma grand-mère, ma mère, oui. sont des femmes formidables qui se battent au quotidien pour me donner, qui m'ont donné une certaine éducation et aussi des valeurs. Dès lors où je me suis marié, une femme, ça amène la stabilité dans un couple. Pour moi, je pense qu'à deux, on avance bien. Femme, ce n'est pas un bon homme, mon petit. Il dit pourquoi? Il me dit si tu as 1000 euros, dis-lui qu'il y a 200 euros. Elle t'expliquera un problème de 400 euros. Il dit ah ouais? Il dit c'est comme ça avec les femmes. On a toujours tombé amoureux de deux ou trois, plusieurs femmes. Donc il y en a toujours une qui nous a marqué. C'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui nous a appris à respecter la femme. Et à connaître ta femme en sachant qu'on a des sœurs, on a eu des copines, on a eu tout. Donc voilà. Ma mère. C'est-à-dire ? Elle m'a montré tout ce qu'il fallait de faire de bien et elle m'a apporté beaucoup de choses. Ma mère qui m'a accouché, elle est très influente sur ma vie. Oui, ma mère. La femme m'a induit en erreur. Je lui ai tout donné. Ma vie, mon sang, mon temps. Et elle m'a tout pris. Je me souviens notamment de ma grand-mère qui était lavandière et que j'accompagnais à la rivière. C'était le rite de me mettre la brouette et de me... De façon de maman, qui nous a choyés, ma sœur et moi. C'est évolué, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Mais c'est évolué petit à petit. Mais on veut voir bien la femme aussi être aussi indépendante, occuper aussi des grandes responsabilités dans la société, soit dans la ville, soit dans les entreprises, soit aussi dans le foyer. Ça montre que les femmes, on est aussi capables que les hommes. On peut faire le travail que les hommes, parce que souvent, on nous sous-estime parce qu'on est les femmes, que notre rôle, ça se situe qu'à la maison. Elles occupent plus de place dans le monde du travail qu'à une certaine époque. Et c'est bien ou c'est pas bien? Je trouve que ça amène que du positif. Tout ce que j'entends dans les médias, quand on parle de la femme, on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Chacun doit rester à sa place. Un homme doit rester un homme, une femme doit rester une femme. Et moi, j'ai dans mon entourage des jeunes filles d'aujourd'hui qui ne savent plus faire à manger, plus tenir une maison. Et je pense que s'il y a des problèmes dans un couple, ça commence comme ça. Ça dépend les domaines. Elle a régressé au niveau du respect de la femme, de soi-même. Et dans d'autres domaines, au niveau travail, c'est pas trop ça. Apparemment, ils sont encore moins sous-payés par rapport aux hommes. Le comportement de nos femmes en Afrique, je ne sais pas si c'est dû à la condition sociale aussi des femmes. C'est vrai que la majorité des femmes sont sans activité encore en Afrique. Très jeunes, la moyenne d'âge. On va dire 22, 23, 24 ans sans activité. Donc, en fait, elles dépendent toujours des hommes, en fait. Toujours. Il a bien parlé, mon frère. Ça, il faut prendre en compte, s'il vous plaît. Elles dépendent toujours des hommes. Donc, cette journée de la femme, vraiment en Afrique, franchement, il faut en parler en Afrique parce que. Je pense qu'elle a évolué parce que, avant, la femme, c'était qu'un objet. Et puis maintenant, c'est un humain comme les autres. Oh, on va dire évoluer quand même. C'est moins. On est moins. C'est moins difficile qu'il y a quelques années. Trop de violence au niveau des femmes.
Voilà, des hommes battent des femmes, des hommes violent des femmes. Et j'aimerais bien qu'un jour ça s'arrête. Pour moi, les femmes sont molto importantes, 8 mars, parce que sont les femmes qui font tout ce que nous, adesso, stiamo vivendo. Elle a beaucoup évolué. Je suis contente d'être femme. A trop évolué à mon goût. C'est-à-dire ? Ah, trop de liberté, trop de vouloir faire, trop de décisions à prendre alors que ce n'est pas elle de les prendre. Il y a plusieurs choses comme ça qui font que voilà. Sincèrement, non. J'irai stagner. Bon, la femme doit être respectée. Et la femme fait beaucoup de choses, plus que l'homme. On travaille. Hein. C'est différent aussi. Apparemment, la femme ne travaillait pas, elle restait au foyer. Et la femme préfère travailler, aller faire sa journée, que de s'occuper de ses enfants. Elle a simplement évolué. Mais a-t-elle, je pense, qu'il y a une forme de régression. Oui, en effet, il y a tout un tas de joie, de plaisir, dont elle ne bénéficie pas du tout. Les femmes, battons-nous. Aller toujours à l'avant, il ne faut pas reculer notre place. Là où il y a les hommes, nous aussi on mérite cette place. Moi j'aimerais bien faire un café-débat alors avec toutes les femmes qui habitent à Montaigu surtout, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas, au niveau de la drogue et pas mal de choses, du respect des jeunes envers les mamans. Les femmes d'Anne-Marie Lélis, de Lalmont, de Montaigu et de Dumay-sur-Seine, justement où je voudrais faire ma réunion, et montrer aux femmes qu'avec un peu de caractère, on peut ne pas se laisser avoir, se laisser faire. Et surtout, les jeunes d'aujourd'hui manquent beaucoup de respect. Donc, je pense qu'il y a une heureuse mise en question sur les femmes. Parce que quand même, c'est l'éducation. OK, c'est les femmes et les hommes. Mais aujourd'hui, on est plus de femmes monoparentales. Donc, je pense que les femmes, il faut un peu les booster. En fait, une femme se croit toujours plus maligne que les hommes. En général, elles vont toujours avec ça en avant. Il dit, mais ça peut pas être vrai parce qu'on a l'impression. Mais les femmes, elle m'a dit, nous, généralement, on pense qu'on est plus malin que les hommes. En fait, qu'est-ce que face des noms. Parce que j'ai interpellé la femme, elle me dit, non, c'est comme ça. Il dit, mais c'est dangereux. La dignité, le respect, il y a un minimum de respect qu'on doit avoir pour son corps en tant qu'une femme. Même quand t'as rien, il faut rester digne quand même, à un certain niveau, ne pas s'y rabaisser. Bah, qu'il faut avancer dans la vie, qu'il faut pas se laisser aller. Et puis la vie, elle est faite de plein de choses qu'on attend, d'autres qu'on n'attend pas, et que le mieux, c'est d'avancer et d'être fière de soi. Qu'elle n'ait pas peur de dénoncer, qu'elle ne garde pas ce secret pour elle, qu'elle en parle à leur famille, qu'ils aillent voir la police ou je sais pas, donc voilà. Qu'ils aillent dans un centre pour les faire aider. Ah non, madame, les femmes, c'est champagne, là, ça trompe par-ci, ça trompe par-là, bon, le Ferrari, c'est fini. Avoir le Lamborghini, avoir le Panamera. Non, yo, Malembe, c'est pas comme ça. La femme aime trop l'argent. Le pouvoir, c'est l'argent, mais la femme aime trop l'argent. On respecte toutes les données, gratte. Respectez vous-même. Et respectez-nous, respectez les hommes. Yo, respectez-nous. Éduquez ses enfants. Assumez son mari, assumez sa vie, sa famille. Point barre. Mesdames, faites un retour sur vous-même. Mettez-vous dans un coin et écoutez simplement le silence de... Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, une vidéo qui sera en l'honneur des femmes. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer quelques situations que toute jeune fille a traversées. J'espère et je pense fortement que vous vous reconnaîtrez... dans l'une de ces situations. Situation numéro 1. Nous les filles, par rapport aux hommes plutôt, on doit toujours être un flic. On doit toujours être un peu apprêté. Les garçons c'est facile, ils se maquillent pas. Nous c'est pas pareil. Mais des fois, on a juste pas envie. On a juste pas envie ou on a juste la flemme. Et je suis sûre que toi, tu as déjà vécu une de ces soirées où tu lâches juste l'affaire en fait. C'est pas pour vous. Oui.
Situation numéro 2. Et d'ailleurs, en parlant d'être un flic ou en mode on s'en fiche, on sait très bien quand il faut se mettre en flic ou quand on peut être en mode on s'en fiche. Et on sait s'en servir aussi. Ok, déjà, claque la porte doucement la prochaine fois. J'ai pas claqué la porte là. T'as claqué la porte. J'ai bref, pas claqué la porte. Claque la porte doucement la prochaine fois. Ok. Bref, ça va? Ouais, et toi? Ça va. T'es bizarre un peu. Tu trouves? Ouais. Tu me parles ou t'es sur ton téléphone là? Toi. Ouais, bref, tu disais non. Aujourd'hui, j'étais obligé de demander à te voir parce que franchement, je pense que c'est mieux qu'on arrête. Comment ça? C'est mieux qu'on mette un terme à notre relation. Ok, donc tu me quittes là. Je te quitte. Ok, très bien. Clac la porte. Doucement. Non, ça s'est pas passé comme ça en fait, ouais. Je t'expliquerai de toute façon. Oh, bah attends, je te rappelle. Mais tu vas où comme ça? Tu vas acheter du pain? Comme ça? Bah ouais, je fais ce que je veux. Attends! Tu fais quoi t'as là? Rien. Je t'appelle. Situation numéro 3. En tant que fille, femme, jeune fille, on doit toujours avoir la ligne. Donc forcément, on fait genre qu'on mange pas beaucoup, qu'on n'a jamais faim, qu'on fait attention. On fait un peu les timides, quoi. Mais quand le plat, il est devant toi, là, t'assumes pas pareil. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu prends un truc? Non, merci. T'es sûr, hein? Ouais. Ok. Bon, moi, je voudrais prendre un Big Mac, s'il vous plaît. Maxi ou normal? Maxi. Frit Coca? Frit Coca. Avec ceci? Avec ceci. T'es sûr, tu veux rien? Ouais. Un petit dessert, hein? Non, je suis sûr, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Ok, moi, je prends une boîte de nuggets, s'il vous plaît. De 4, de 6, 9. De 4. Quelle sauce? Sauce curry, s'il vous plaît, de préférence. Très bien. Ça vous fera un total de 10,90. Je vous okay. Laisse avancer à la prochaine borne. Très bien, merci. Merci beaucoup, ça marche. Pas, t'as jamais faim toi. Mais j'ai le droit, j'ai pas faim. Oh c'est bon, ok. Les os à vendre? Ouais. Oh non. Mais si c'est trop bien. Je sais pas, j'aime pas trop. Moi j'aime trop Stéphane de Plaza, il est trop drôle. Ouais mais les gens ils achètent jamais. Oh non, c'est vrai que je croyais que t'avais pas faim. Mais j'ai pas faim. C'est ça toi, je te fais. C'est de la gourmandise. Ouais, t'aurais dû prendre. Hein. Non, j'ai pas faim, Non, mais j'avais pas faim sur le coup. Bon, je sais, attends, je reviens. Ouais, ouais, prends ton temps. C'est toujours un bon point pour l'agent, parce que le sujet, c'est un sujet important dans une maison ou un appartement, si c'est vrai. Stéphane Pénifondi, ça débute par le sous-sol de 80 mètres carrés, buanderie. Voilà les filles, donc je pense que y a forcément une des trois situations dans laquelle tu t'es reconnue. C'est obligé. Si c'est le cas, fais-le nous savoir en commentaire. Si t'as apprécié la vidéo, bah tu connais la chanson, tu partages, tu likes et tu commentes. Juste une dernière chose, une devise les filles. Girl power. Jamais rien laisser se mettre entre vous les filles. Même pas un mec. Ok. Donc la devise, n'oubliez jamais girl power. Who wanderer? Girls. Ok. Bonsoir chérie, je suis rentrée. Ça va? Oui et toi?